Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à ces rencontres nationales de l'énergie citoyenne qui se font du coup dans un mode un peu particulier comme vous pouvez le voir. On espère malgré tout qu'on va pouvoir passer une belle journée et puis demain l'Assemblée générale de l'Association des centrales villageoises qui sera aussi en ligne. Alors moi, comme c'est le premier jour du reconfinement, j'y vois un petit côté positif. Il faut qu'on essaye de sourire de tout ça. C'est que quand vous raconterez à vos petits-enfants votre jour 1 du reconfinement, vous leur parlerez énergie renouvelable, projet citoyen, initiative locale en disant « j'y étais ». Et ça, ça vaut quelques belles campagnes de promotion que nous n'avons pas toujours les moyens de nous payer dans notre monde de projets citoyens. Malgré tout, on avait l'intention de vous accueillir à Strasbourg. Vous aviez suivi ça. Et ce n'est que partie remise, puisque nous avions concocté notamment des visites de sites à Strasbourg et aux alentours. Et donc, on n'a pas vraiment envie de renoncer à vous faire partager tout ça. Donc, on espère qu'en 2021, on pourra s'y retrouver. Et on essaye quand même de faire ces deux journées avec un certain nombre d'ateliers qu'on a pu reconfigurer pour les rendre accessibles par visioconférence. Ce n'est pas aussi fun que ce qu'on aurait aimé vous proposer, mais je pense que ça va quand même vous intéresser. Pour vous préciser aussi que les ateliers vont être enregistrés, j'en profite pour rappeler à chacun des animateurs de bien y penser, parce qu'on a une forte demande à pouvoir les consulter plus tard. Et sans attendre, en remerciant tous les membres du comité d'organisation qui s'est démené jusqu'au dernier moment pour essayer de rendre tout ça possible. Ça n'a pas été sans difficulté, mais on est là, on est content d'être avec vous. Et sans attendre, je passe la parole à chacun des co-organisateurs, puisque c'était une démarche collective. Avec le réseau du Grand Est et c'est Colline qui parlera pour les acteurs de ce territoire, même si nous ne sommes pas sur place, elle y est et elle représente l'énergie citoyenne de ce territoire. Et puis ensuite, l'association des centrales villageoises et enfin Énergie partagée. Colline, c'est à toi. Quelle on est là. Et du coup, à Alter Alsace Énergie, on était trop contents de pouvoir co-organiser cet événement puisque on fête dans notre association nos 40 ans au service des énergies renouvelables. Donc, on était contents de faire la fête à Strasbourg. Ce n'est que partie remise. Et puis, avec Lorraine Énergie Renouvelable et l'Agence locale de l'énergie des Ardennes, les voisins, on anime le réseau GECLAIR, le réseau régional de l'énergie citoyenne. Si vous ne savez pas encore ou que vous voulez en savoir plus sur les réseaux régionaux, d'ailleurs, il y a le super atelier avec Johan et Sylvain à midi. Et comme à GECLAIR, au réseau GECLAIR, en fait, nos 2 ans, eh ben, on a un nombre de projets qui augmentent de façon exponentielle dans le Grand Est. Donc, on était super contents aussi d'accueillir les rencontres en Grand Est pour montrer cette belle dynamique. D'ailleurs, si vous voulez créer nouveau projet chez vous, il y a un bel atelier à 14h30 avec Adrienne sur tous les outils à disposition, donc n'hésitez pas. Mais voilà, croissance exponentielle de projets. Quand on parle de croissance exponentielle aujourd'hui, c'est pas vraiment de projets citoyens qu'on parle malheureusement, c'est plus de courbes de cas Covid. Donc voilà, en cette journée, on a une belle pensée pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui les soignent, pour tous les gens qui sont à nouveau des héros du quotidien, n'est-ce pas, qui ne l'ont pas été pendant quelques mois, mais qui vont le redevenir. C'est un peu malheureux que ça s'arrête. Mais du coup, en cette première journée, on est, enfin, pour ma part en tout cas, première journée de confinement, je suis bien contente de ne pas être toute seule à me lamenter sur les malheurs de notre société, mais d'être avec vous pour construire ensemble les futurs bonheurs de notre société. Donc, je vous souhaite de très bonnes journées, de très bons ateliers, et puis on se donne rendez-vous bientôt. Hein, ton plat, allez, bon appétit. Hein. Hein. Merci Colline. Christelle. Oui, bonjour à tous.
Alors, c'est vrai que c'est vraiment un petit peu différent de ce qu'on avait prévu, puisque on avait à cœur, avec l'Association nationale des centrales villageoises, de venir dans le Grand Est pour saluer la dynamique des centrales villageoises dans cette région, puisqu'il y a plusieurs nouveaux collectifs qui ont émergé depuis 2, 3 ans. Et puis, on voulait aussi faire honneur au soutien de la région Grand Est, au modèle des centrales villageoises, ainsi qu'à tous les collectifs citoyens, parce que c'est vrai que c'est cette région qui a été la deuxième à nous soutenir après Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça nous tenait à cœur. Bon, ce sera que partie remise, mais en tout cas, bravo aux organisateurs qui nous ont permis de nous retrouver sur cette formule. Donc, cette année, on est très heureux de pouvoir proposer un moment commun avec les différentes structures. C'est l'occasion de célébrer un peu la diversité des différents modèles. Et puis, j'espère aussi d'apprendre à mieux se connaître les uns les autres, puisqu'on sait qu'on a tous des particularités, mais aussi des points communs, puisque ce qui nous anime, c'est de faire avancer les projets citoyens. Et c'est une occasion de mettre en lumière le partenariat qu'on a avec Énergie Partagée depuis 1 an maintenant. 2 ateliers de cette journée ont été réalisés en commun. Donc, notamment l'atelier sur les ERP tout à l'heure à 10h30, et puis l'atelier sur les études structures en début d'après-midi. Pour faire un petit résumé des centrales villageoises actuellement, il y a 50 collectifs qui sont répartis sur 6 régions. Donc, le modèle des centrales villageoises est devenu national et il essaime dans de nouveaux territoires. Et ça nous tient vraiment à cœur d'accompagner son développement avec les autres acteurs de l'énergie citoyenne comme les réseaux régionaux. Et on espère que cette journée et cet événement sera une belle occasion de mettre en pratique cette complémentarité. Merci Christelle. Johan, pour dire un mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole pour Énergie Partagée. Je vous souhaite la bienvenue dans ces rencontres, dans ces échanges, ateliers, débats qui vont s'avérer, à mon avis, assez intéressants, passionnants. Cette année, on a fêté en mai, d'ailleurs, avec un web pique-nique, déjà. C'était tendance, malheureusement. Les 10 ans, en fait, du réseau Énergie Partagée, ça a été un grand succès, beaucoup d'échanges. À ce sujet-là aussi, pardon. Et on avait vu, comme aujourd'hui d'ailleurs, le nombre et la qualité des différents participants. Ce qui est important, c'est que à cette occasion, notamment, on avait pointé un certain nombre d'enjeux liés au développement de l'énergie citoyenne, que ce soit au niveau du plaidoyer, pour la massification notamment de nos réseaux, des acteurs, des producteurs d'énergie citoyenne locaux, des sociétés locales. Énergie citoyenne, et puis aussi des gros enjeux liés à la coopération avec les autres réseaux de l'économie sociale et solidaire notamment. Et en fait, à partir aussi de ces constats, ben, nous on a continué à travailler et beaucoup de choses ont été faites en fait depuis le mois de mai. Et j'aimerais juste vous dire que effectivement, si vous n'avez pas eu l'occasion déjà de regarder le fameux tableau de bord de l'énergie citoyenne, qui s'est largement bonifié depuis le mois de mai, et bien effectivement, il montre toute la diversité maintenant des projets, des gros partenariats aussi à venir qui vont nous permettre d'avoir une vision importante et précise en fait de l'ensemble des projets d'énergie citoyenne. Je pense que c'est essentiel pour justement nourrir tout ce travail de plaidoyer à tous les niveaux institutionnels qu'on a continué pardon, à mener et renforcer. On continue bien sûr d'outiller les porteurs de projets sur tout ce qui est maîtrise du foncier, les partenariats en co-développement. Il y a des grosses publications qui sont sorties assez récemment.
Les chantiers aussi sur la mutualisation entre les coopératives, ce sont des enjeux qui répondent en fait, enfin ce sont des réponses à nos enjeux de de massification. Et puis effectivement, il y a de nouveaux services qui sont apparus là et dont certains ateliers vont pouvoir parler, comme par exemple CoopHub, le fameux CoopHub qui a été développé depuis maintenant 2 ans et qui arrive à ses... Son but est donc de tout un chacun, notamment dans la société, vont pouvoir utiliser CoopHub. Il y a aussi le succès de la BD Ma propre énergie. Là encore, des outils qui permettent de diffuser l'information et aussi l'intérêt pour les énergies citoyennes. Avec les centrales villageoises, bien sûr, et Enedis aussi, par exemple, on a renforcé la coopération entre plusieurs réseaux et effectivement, on va encore se faire entendre de plus en plus. Je pense que effectivement, ce qui nous attend, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour arriver enfin à massifier l'énergie citoyenne. C'est un enjeu essentiel pour le monde d'après qui se fait désirer, bien sûr. Et aujourd'hui, on est à nouveau confinés. Mais ça ne va pas nous empêcher effectivement de nous projeter sur les années à venir à travers notamment tous les ateliers qui vont être menés. Et je suis sûr qu'on en ressortira renforcé. Voilà, je vous remercie et puis on se retrouve dans les ateliers. Merci Johan. Du coup, je voulais juste vous partager à l'écran les liens pour les éléments que les uns et les autres ont déjà évoqués, donc la fameuse carte des initiatives citoyennes et puis les fameux chiffres clés de l'énergie citoyenne qui s'alimentent à partir de l'information remplie par les porteurs de projets eux-mêmes. Donc chaque jour, ça bouge et vous pouvez faire un certain nombre de tri et de recherches par rapport à vos territoires ou vos voisins. Voilà, peut-être juste vous rappeler, donc le programme, c'est aujourd'hui des ateliers en commun avec tout le monde, avec des ateliers qui ont soit un but de découverte pour des gens qui nous rejoignent ou qui ne connaissent pas encore l'ensemble de nos activités, et puis des sujets plus experts, on l'a vu sur les études de structure par exemple, ça a été évoqué. Et puis demain, l'Assemblée générale de l'Association des centrales villageoises, qui se tiendra aussi en ligne. Voilà, on se donnera rendez-vous en 2021 pour de vraies rencontres en présentiel et notamment avec des visites de sites parce que c'est aussi ça qui nous permet de donner à voir tout ce qu'on fait et tout ce qu'on mobilise. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette ouverture de façon à ce que ça nous laisse le temps et aux animateurs, aux intervenants et à vous tous de rejoindre les ateliers qui démarre. Il y aura donc 4 sessions d'ateliers qui s'enchaînent à 10h30, à midi, à 14h30 et à 16h30. Pour tout ça se terminer à 18h, donc on sera tout à fait dans le couvre-feu, ne vous inquiétez pas. Et comme de toute façon maintenant on est coincé chez nous, il n'y a plus vraiment de soucis, on aurait pu même faire des sessions supplémentaires. Je vous souhaite une agréable journée à tous et toutes. Un grand merci à tous les organisateurs, à tous les animateurs d'ateliers et les intervenants. Et on se dit à bientôt en présentiel, probablement à Strasbourg. Merci à tous et à tout de suite pour des ateliers. Merci à nos intervenants.